Hello! C'est le deuxième jour de pêche en Corse. Et puis voilà, on se retrouve dans ce joli décor. Encore une fois, beaucoup trop tard, mais bon, on n'avait pas envie de se lever tôt ce matin. On va faire un petit peu la plage. Et après, on ira sur les rochers là-bas, jusqu'à la pointe, voir ce que ça donne. J'ai toujours mon Jackson Artist avec lequel j'ai fait le barracuda. Je l'ai laissé monter. Et puis je passerai sur la présentation un peu plus petite tout à l'heure. En espérant que les liches soient arrivées. Hein. De toute façon, j'ai toujours pris des liches en pleine journée, donc pourquoi pas. Est-ce qu'elles sont arrivées? C'est ça la question surtout. Et pourquoi pas des petites céréales aussi. Oh là là, mais je suis complètement dans les algues. Il y a eu un petit banc à chasser, enfin qui s'est fait chasser, je pense. Oh, fish on! C'est parti mon kiki, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai jeté mon leurre et j'ai vu que ça bougeait en surface. Ah, c'est une petite liche. Et voilà mon kiki. Je pense que c'est une petite liche, mais... Tu vois, elles sont là. J'ai vu bouger en surface, je me suis dit, et j'avais vu des petits alevins qui bougeaient, je me suis dit c'est bizarre, j'ai lancé et j'ai vu un truc en surface. Ah, c'est un petit bébé. Ah, elle est pas mal, hein. Yeah! Voilà, on en refait une. Ouais. Mets-toi là un peu. Ouais. Bon, bah tant pis. Elle m'a échappé des doigts. Bon, super, on a pris une petite liche sympa. De faire un kilo, quelque chose. Et puis, on va continuer à lancer là-bas, voir s'il y en a d'autres. Hein. Elles me suivent, lance là, elles suivent, lance devant. Elles sont derrière moi, jante derrière moi là. Ah, c'est trop bon ça, on les voit suivre. Putain, elles sont vraiment près du bord. Hein. Bon, je suis bien content d'avoir fait une petite liche, elles ont resuivi après, mais elles ont pas été décidées, mais franchement, je pense que je l'ai surpris parce que j'ai vu des petits poissons fourrage qui sautaient et d'un coup j'ai lancé un peu plus loin et là j'ai vu une nageoire qui a bougé en l'air et après paf paf et clac quoi, donc c'est cool, elles sont arrivées, c'est de bon signe. Là c'est encore le bon moment, hein. Il est 9h, il n'y a pas grand monde qui se baigne, il faut vraiment profiter. Bon, on fait une petite pause parce que là c'est l'heure où les gens commencent à arriver sur la plage. Il y a de plus en plus de nageurs et d'embarcations. Donc là, on va faire une petite baignade dans une crique. Je vais filmer un peu sous l'eau, un hein, truc que je faisais pas depuis longtemps, mais j'aime bien. Et puis, on est parti. Bon, on va se mettre à la pointe ici, et puis on va pêcher une petite heure, je pense, avant de rentrer pour le midi. Et à mon avis, ce sera tout pour aujourd'hui. Je pense pas que ce soir on va faire de sortie, mais bon, au moins, il y aura eu au moins une liche. On va voir ce que ça donne ici. Allez, ça pêche direct. On a un super spot, super joli en plus. Et le vent reste raisonnable. Même si c'est pas impossible qu'il se lève.
Bon, changement de leurre et de bas de ligne. J'ai rallongé mon bas de ligne et je mets ce petit Yuzuri Crystal Mino, je crois. Il a des reflets de ouf. Je le trouve trop beau ce leurre, mais il est toujours vierge de poisson. Fish up! Ah non! Non! J'ai dû avoir une tape, c'est trop bizarre. Je crois que ça devait être un lézard ou un truc. Bon, allez, deux lancers et on va clôturer cette petite matinée sympathique. Un seul poisson, mais un cadre magnifique comme d'habitude. Et puis voilà, ça fera une vidéo un peu courte. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous a plu. Et puis on est encore là pendant 2 semaines, donc on va essayer de faire une vidéo par jour. Ça va être compliqué, mais voilà, je suis assez content d'avoir pris une petite liche. Et on reviendra le matin pour en refaire d'autres si elles sont toujours là. Allez, à plus !